Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui me tient à cœur. J'ai reçu un produit exceptionnel de la marque Inokne. Je suis désolé, je le dis à la française, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais c'est la troisième vidéo que je fais avec eux. Inokne est une marque spécialisée dans les moniteurs, que ce soit des moniteurs portables, c'est-à-dire des écrans secondaires qu'on peut transporter partout, ou encore des écrans simplement de gameplay ou de travail. Là, j'ai opté pour un écran de 40 pouces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, 40 pouces, 144 Hz, autant vous dire que là, vous n'aurez plus de soucis pour jouer aux jeux vidéo, vous pourrez tout voir. Ça va nous faire une résolution de 3440 par 1440 et c'est énorme. Je n'ai jamais eu d'écran aussi grand et en plus de ça, on a des très bons ratios. Je sens qu'on va être très impressionné et qu'on va avoir une couleur exceptionnelle. Écoutez, je connais leur qualité, je sais que là, ça va être du très lourd les amis. Cet écran coûte 600€ sur leur site internet. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler, je vous invite déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je fais souvent des tests tech où est-ce que je teste des objets avant que vous achetiez ou non. Je vous fais un avis sur le produit, comme ça vous pouvez voir l'objet avant de l'acheter. Et bref, aujourd'hui c'est un écran de malade mental, j'en suis sûr et persuadé. Je ne peux même pas vous montrer le carton les gars, il est trop gros. Je vais être obligé de faire le unboxing debout pour une fois, ça va être un truc de ouf. J'ai vraiment, c'est la même taille qu'un colis de trottinette pour vous dire. C'est énorme. Bref, on passe à l'unboxing, c'est parti. Bon les gars, je vous avais pas menti quand je vous ai dit que l'écran il était énorme. Et là on va simplement ouvrir tout ça, donc c'est parti. Hop, alors il est bien tenu et ça, ça fait plaisir parce que quand on a un objet aussi cher que ça, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelque chose de super bien protégé. En l'occurrence pour un écran aussi large que ça, il faut tout simplement que ce soit bien protégé. Donc écoutez, là je ne sais même pas comment on va l'ouvrir. Il a énormément de bonnes fonctionnalités et ça on va le voir ensemble les amis. J'ai eu du mal à cadrer tout ça, donc écoutez c'est parti, on ouvre tout ça. Tac tac tac, et on va tout simplement ouvrir le colis juste ici. On a le support d'écran juste ici. Il est super lourd, il est très très lourd, je ne sais pas combien de kilos il pèse, mais là ça se pèse en kilos les gars, c'est énorme. Les câbles juste ici, l'alimentation et quelques vis, enfin bref, tout ça pour bien connecter l'écran. Et c'est pas le plus important, le plus important c'est de voir la taille de l'écran. Parce que 40 pouces les gars, je n'ai jamais vu ça, enfin du moins j'ai jamais vu ça chez moi. Et là j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est bien protégé. Voilà, et juste ici on a le bras de l'écran, donc ce qui va se fixer sur le support. Et j'ai vu également qu'on pourra fixer au mur ou sur un autre support l'écran. Ça c'est plutôt pas mal, moi c'est ce que j'ai fait avec un support d'écran qui est beaucoup plus pratique et très amovible comparé à un support qu'on va le poser, en plus ça prend de la place sur le bureau. Je sais que ça c'est pas mal et que chez eux ils ont un système voilà, qui va faire contrepoids et qu'on pourra super bien mettre très facilement. Bon là c'est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas le poids de l'écran. Et on arrive sur le gros du produit les amis, on est sur l'écran qui est juste ici, c'est énorme. J'ai peur de faire une connerie. Mais il est magnifique, mais c'est un truc de fou les gars. Mais c'est... Waouh, regardez. Il est énorme. Il est énorme. Je croyais qu'il était incurvé, mais non, il est pas incurvé. Mais quand même, il est sacrément énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est du 40 pouces les gars. Du 40 pouces. 3440 par 1440 pixels. Et là, on va être super bien. En 144 Hz, on aura du coup FreeSync de chez AMD, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça va tout simplement consister à avoir la même fréquence que sur sa carte graphique à son écran. Et on va voir ça tout simplement les amis. Mais là c'est énorme et tout est bien protégé, ça ça fait plaisir. Alors vous pouvez voir qu'il a été protégé grâce à des choses comme celle-ci. Par contre je ne sais pas comment je vais me débarrasser de ça. Et c'est pas tout les gars, mais on va devoir monter l'écran. Et je sais à peu près comment on fait chez eux. C'est très simple d'utilisation. Et le design, c'est un petit peu c'est presque le même que ceux que j'ai déjà unbox sur la chaîne YouTube. Donc ça va, je sais comment on utilise ça et je sais que c'est très pratique et très facile à monter. Voilà, derrière on a une petite vis qu'on va tout simplement tourner jusqu'au fond. On n'a même pas besoin de tournevis, c'est très pratique. Pensez à bien visser parce que si ça tombe ou si ça s'enlève, c'est vraiment pas bon pour votre écran les gars. Et alors là, on va tout simplement clipser l'écran. Ok les gars, donc là on va tourner l'écran. Voilà la taille de l'écran. Il est dingue. Au niveau de l'abaissement, c'est très simple, voilà, juste avec les deux doigts comme ça. Ça se relève tout simplement très facilement, donc aucun souci sur ça les amis. Et vous pouvez voir qu'il est énorme en fait, il est tout simplement dingue. On aura du coup du 144 Hz et le design de l'écran, il me fait vachement penser à ceux que j'ai déjà pu ouvrir sur ma chaîne YouTube. Deux ports HDMI, un port USB type C et un DisplayPort, je pense qu'on est très bien. Et là on va l'allumer, on va voir ce qui se passe. Mais bon je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'images vu que rien n'est connecté, mais au moins on peut voir un petit peu comment ça s'éclaire. Écoutez, on va partir sur une cinématique parce que je pourrais pas vous montrer plus que ça sans tester. Je vais tout vous expliquer, caractériser un petit peu le produit avec la cinématique et c'est parti
pour le test juste après la cinématique. Et on est donc parti pour la cinématique de l'écran gamer Inokne 40C1R en 40 pouces et 144 Hz. Alors cet écran aura une grande gamme de couleurs, à savoir 95% de DCI P3, de l'HDR400, il dispose d'AMD FreeSync où est-ce qu'on pourra synchroniser la fréquence d'écran à celle de la carte graphique, et un format en 21/9 en 40 pouces, ce qui fait une résolution à 3440 par 1440. On aura 500 nits et au niveau des ports on aura un port USB-C. Alors ça c'est très pratique parce qu'on pourra le brancher par exemple sur un Mac. Moi j'ai fait le test avec un PC portable, d'une part ça envoyait les images et de l'autre ça rechargeait mon PC, donc c'est tout bénef. Ensuite un DisplayPort et deux ports HDMI. Il est certifié TUV Rheinland et on pourra mettre en place une réduction de la lumière bleue. Maintenant dans le support on trouvera un trou pour faire passer tous les câbles. L'ajustement de la hauteur est très simple, le montage également. Bref, cet écran gamer 40 pouces à 144 Hz se trouve sur le site à 600€ prix boutique. Et maintenant on va tester tout ça et vous allez voir le résultat, je suis très choqué. Et bien les amis, alors j'ai sélectionné 3 vidéos pour ce test. Une vidéo où est-ce qu'il y aura de la fluidité, une autre où est-ce qu'il y aura de la couleur et une autre où est-ce qu'il y aura un peu plus de résolution, où est-ce qu'on va pouvoir s'attarder sur les détails. Ensuite on ira tester ça sur Minecraft et ensuite on ira tester le son de l'écran. On va commencer par la fluidité les gars, mais on est quand même en 4K, donc c'est assez incroyable. On va voir ce que ça donne, donc c'est parti les amis. Hop, je ne vous gâche pas la vue et on va regarder tout ça. Donc oui, la largeur ça fait super bizarre, ça, c'est vraiment pas souvent qu'on voit ça. Et comme c'est la première fois, bah, ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression de voir énormément plus. Et c'est assez perturbant quand même, parce qu'on croyait qu'un écran, enfin bref, le ratio change et c'est ça qui est assez perturbant. Bon, les couleurs, c'est pas sur ce clip qu'on va voir ça, là c'est plus la fluidité. On peut voir des images exceptionnelles les gars. Et on peut entendre également le haut-parleur, mais là on va juste profiter de l'image, c'est incroyable. La cinématique est quand même incroyable en elle-même, mais avec l'écran c'est encore mieux, c'est vraiment kiffant. Le rendu est dingue les gars, le rendu est fou. Le rendu est dingue. Je ne sais pas si vous jouez actuellement à des jeux vidéo, si oui lesquels les gars, mais là avec un écran pareil, et je vous laisse imaginer l'expérience de jeu que vous pourrez avoir. Alors là les amis, on va pouvoir voir les détails. Là il y a pas, enfin il y a de la couleur évidemment, mais c'est pas un clip spécialement pour ça. Là j'ai l'impression qu'on s'attarde plus sur les détails. Et bah c'est dingue tous les détails qu'on a, bordel. On a des choses très très belles, là on peut voir énormément de détails. Et bon, vous comprenez bien que si je recorde mon écran par-dessus, ça sert à rien pour vous montrer les images de l'écran. Moi ce que je fais là, c'est que je le filme directement avec ma caméra, parce que au moins vous voyez bien comment ça rend sur un setup. Ça fait vachement unifié, c'est beaucoup plus propre que deux écrans. Parce que moi de base j'ai deux écrans, mais là ça sert même pas à avoir deux écrans je pense. Et je pense que le mieux pour travailler après réflexion, c'est quand même d'avoir un seul écran et un écran comme ça. On peut donc voir de très belles images actuellement. Et comme ça se déplace doucement, on a le temps de voir les détails. Et c'est dingue, c'est oufissime. Là on va passer à une vidéo en couleur, où est-ce qu'on va s'attarder un petit peu sur la couleur de tout ça. Là par exemple on va voir le vert, comment il est. Bah écoutez, là on a beaucoup de détails. Après c'est vrai que c'est assez difficile de décrire les couleurs d'un écran, parce que évidemment c'est assez subtil. Mais on verra surtout au niveau de la richesse et du large choix de couleurs que l'écran aura. Les gars, des couleurs comme ça, mais j'adore, j'ai envie de voyager là. Là ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller au bout du monde là les gars. Là on a tout vu, on a vu les couleurs, on a vu la résolution, enfin du moins les détails et la fluidité. Mais ce que j'ai envie de faire là, c'est à l'ancienne, on va aller sur Minecraft et on va voir la fluidité sur Minecraft. Et pendant que ça se lance, on va lancer un petit peu de la musique. Bon, à première vue, il y a quelque chose sur lequel je suis assez satisfait, c'est tout simplement les percussions, on va dire les basses, enfin le grave. Il est plutôt bien géré pour un écran et c'est la première fois que je vois ça. Généralement les autres écrans que j'avais, c'était pas foufou, et là c'est beaucoup mieux géré, donc c'est assez appréciable. Le son, il est parfait, imaginons, pour écouter une vidéo, ça c'est incroyable, c'est sûr. Là les gars, Mojang se lance et franchement on peut voir déjà l'écran gigantesque. Oh mon dieu. J'avais joué tout à l'heure mais j'étais pas en 144 Hz, là je l'ai passé en 144 Hz. En plus je ne sais pas pourquoi, je suis youtubeur Minecraft à la base, mais je n'ai pas mon compte. Ils me disent regardez, ils me disent achetez maintenant, mais putain, mais je suis youtubeur sur un serveur Minecraft très connu, bordel. Alors là je vais m'approcher un petit peu, mais on peut voir du coup, mais c'est assez dingue quand même, c'est assez dingue. On va attendre que ça charge un petit peu pour avoir la fluidité au maximum, et là on peut voir qu'on a toute la fluidité. Donc écoutez, voilà, c'était juste au moment de lancer le jeu. Pourtant j'ai une bonne carte graphique, écoutez, et je pense que c'est assez primordial d'avoir une bonne carte graphique si vous voulez exploiter l'entièreté des caractéristiques poussées d'un écran comme celui-ci. Les gars, en fait j'ai l'impression d'avoir un FOV
fauvé, étiré, mais en fait, non, pas du tout, c'est juste l'écran. Donc là, on mine tranquillement, et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit tour pour voir le paysage, les gars. Ok, alors là, je vais monter en hauteur, et pour l'instant, bah du coup, bah, je trouve que c'est vachement fluide. Et par contre, c'est assez perturbant, parce que, voilà, on a l'habitude d'avoir un écran qui s'arrête, et bah, beaucoup plus tôt que ça, au niveau de la largeur, et d'avoir un écran si large, et bah, les yeux ne sont pas directement portés sur l'entièreté de l'écran de base. Ouais, c'est dingue. Tac. Alors là, les gars, là, si je mets le FOV en Quake Pro, mais non, mais c'est quoi ça? Les gars, mais c'est fou. En fait, on voit, mais les gars, mais je m'imagine en UHC, là, on voit tout arriver. Bon, écoutez, les amis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les paramètres de l'écran, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc, c'est parti pour les paramètres de l'écran. Et bien, les amis, on a donc les paramètres juste ici, je les ai trouvés, et on a pas mal de petites choses assez intéressantes. On a notamment le paramètre de jeu, et on va avoir, par exemple, j'ai trouvé quelque chose. Déjà, j'ai activé FreeSync juste ici. Et il y a aussi le crosshair, donc ça, ça a été très utile quand je jouais aux jeux vidéo. Là, par exemple, regardez ce que ça va donner. Et là, on a simplement un espèce de petit viseur qui est apparu. J'ai découvert ça, c'est un petit plus, mais évidemment, c'est pas les choses qu'on retrouvera classiques sur un ordinateur, sur un écran d'ordinateur. Les choses qu'on va retrouver classiques, et bah, l'attendu FreeSync juste ici, ou la durée de réponse juste ici. Et tous les modes que vous voyez là, c'est des couleurs différentes et des dosages différents. Pareil, voilà, en mode professionnel, donc ça, c'est pas pour les jeux, en mode sRGB, le mode Adobe, voilà, donc on a pas mal de choses, et le mode uniforme qui va baisser un petit peu la luminosité, moi je préfère le standard, voilà, la netteté, les balances des ombres, la lumière bleue, voilà, et par exemple aussi la teinte, la saturation, voilà, on pourra tout gérer et ça, ça fait plaisir. Réglage d'image, donc pareil, luminosité, contraste, HDR, on a la langue et ensuite les autres réglages, donc par exemple le volume, là on était à 50%. Après évidemment, juste en cliquant ici, on aura du coup les choses de base, comme par exemple, voilà, ici, et après on aura la luminosité, voilà, on a des petites choses assez classiques. Moi, ce que j'ai envie de faire, les amis, maintenant, c'est la conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Eh bien, les amis, on se trouve donc pour la conclusion de l'écran Inoct 40C1R en 144Hz, mais surtout en 40 pouces. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran super large? Il est ultra wide. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai bien kiffé l'expérience qu'on avait avec, que ça changeait d'habitude et que nos yeux ne sont pas forcément habitués à aller un peu plus loin que d'habitude quand on joue. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Après, il faut se dire que c'est un écran de jeu. C'est pour ça qu'il a 144Hz. Moi, je travaille plus que je joue, mais je remarque quand même que c'est super intéressant parce que du moins, ça prend un peu moins de place que deux écrans du coup. Et en plus de ça, on va se concentrer sur une seule tâche. Alors que quand il y a deux écrans, on met une vidéo sur le côté, on bosse, etc. C'est pas forcément très opti. Là, on est du coup sur un prix boutique de 600€ hors réduction. On a beaucoup d'avantages. Bah, la couleur, elle est incroyable. Le 144Hz, il est incroyable également. Et on a quelque chose de très pratique qui consiste tout simplement à brancher en USB-C. Typiquement, j'avais branché pour la cinématique mon PC en USB-C sur l'écran. Et en fait, ça chargeait mon écran en même temps que les images de l'écran s'envoyaient sur l'écran. Donc c'est assez cool, c'est à prendre en compte, mais surtout c'est très pratique, c'est vachement pratique, je veux dire, il y a pas mal d'USB-C, surtout les Mac par exemple, je veux dire, c'est vachement pratique. Encore un produit validé de chez Inoct, je vous invite à aller checker la description, il y aura le lien du produit ainsi que de la boutique d'Inoct. Ils font pas mal d'écrans, enfin ils sont spécialisés dans les écrans, donc écoutez, si vous êtes intéressé par un écran ou celui-ci spécifiquement, je vous conseille d'aller voir en description. Moi je vous recommande, c'est le 4e produit que j'ai reçu de chez eux et je suis satisfait. Ils proposent toujours de la qualité et se soucient énormément de l'expérience utilisateur et ça se voit dans le produit. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.